Coucou les filles, je vous retrouve pour un nouveau tag qui sera le tag Fashion Tag. Il va être très sympa, il faut que je prépare pas mal de questions. Sinon je ne pourrais pas vous répondre. Bah, c'est le Fashion Tag sur la mode. Alors, comment décrivez-tu ton style? Moi, c'est un style décontracté. C'est le confort avant tout. Enfin. Quelles sont tes basiques de ta garde-robe? Ma garde-robe est juste à côté. Pour moi, les basiques, c'est ça. Et aussi les t-shirts, voilà. Des pulls, voilà, des t-shirts. Moi, c'est les t-shirts aussi, hein, bien sûr. Mais le legging, n'importe quelle couleur. Celui-là, il est un petit peu transparent sur les pièces, alors. Vous mettez n'importe quel slip avec et le jeans. D'ailleurs, j'en porte un aujourd'hui. Oh, putain, j'ai même pas ma godasse, c'est sympa. Bon, j'en porte un aujourd'hui. Voilà, et les t-shirts, bien sûr. Les t-shirts, j'ai tellement. Bah, basique, je pense que c'est. C'est les basiques, les marinières. Moi, je trouve que toute femme doit avoir une marinière. Voilà. C'est. Et pour moi, un indispensable de ma garde-robe, moi, c'est les sweatshirts. J'adore. Ça, je vais le mettre. Vous pouvez juste aller avec ma tenue d'aujourd'hui. Et ma vous. Lumière à coûte que coûte. Voilà, c'est les sweatshirts. T'es vous, regarde dans le miroir. En plus, avec la capuche, elle est trop grande. La capuche, elle est quand même pas trop grande. Voilà, je pense que c'est vraiment un truc à avoir avec une propre. Pour moi. Je vais l'enlever. Mais voilà. Après. La chose la plus chère de ton placard. Bah rien. On sait pas là, mais c'est un manteau que ma mère avait acheté il y a 2-3 ans, je crois. Et en fait, c'est un manteau cache-cache qui avait coûté 30-40 euros en fait. Que j'ai encore. C'est ça, mais je peux pas vous montrer. Le créateur préféré. Je n'ai pas de créateur préféré. Car je n'ai rien de créateur ni rien. Et ça ne me gêne pas du tout. Quels sont tes endroits préférés pour ton shopping? Kiko, Tati, Yves Rocher, Ziman et Claire's. Tous les endroits pour mon shopping. Quelle est ta manière préférée de te coiffer? Ben comme ça, détaché, même avant. Je n'aime pas trop m'attacher les cheveux. Quelle est la tenue de secours quand tu n'as pas d'idée? Une robe. Ou ce que je fais, c'est que moi, que j'ai pas d'idée, je prends un truc dans mes pantalons. Je fais ça, hop. Et je prends un truc là. S'il fait froid, je prends un truc là. Et puis hop, voilà ma tenue. Voilà. Déjà, ça peut faire une belle tenue. Là, maintenant, faut que je change tenue. Alors, je me garderai maintenant. Voilà, je pioche comme ça, en fait. Après, quelle mode aimerais-tu voir revenir? Non. Je suis pas la mode. Et dernière question, montre ce qu'il y a de plus précieux dans ta garde-robe. Le plus précieux dans ma garde-robe? Ah, ce que je veux pas acheter rien.
Ça peut faire très bizarre de loin, et moi j'adore. Je trouve trop canon. C'est un haut avec des rayons rouges, des étoiles rouges. Qui j'ai déjà vu à Kaby et que ma mère n'aime pas du tout. Elle m'a dit, moi j'aime pas quand tu mets. Il y a pourquoi tu m'as acheté, parce qu'il te plaisait. Voilà les fils, pour ce tag, c'est un tag qui va quand même assez vite pour moi. C'est vraiment parce que voilà, je n'ai pas. Je suis pas fashion et tout. Vous avez deux fois que j'en mets du baume à lèvres, je sais. Excellent. Alors les filles, si vous voulez faire ce tag, je vous invite à le faire. Donc voilà, pourquoi pas. Si vous l'avez fait en vidéo, bah vous me mettez en commentaire. Hein, je serais très contente d'aller voir cette vidéo-là. Voilà les filles, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ce tag vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, 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 ciao.